Vidéo, The Voice 7. La note corse de français sur cri de Radio I a renversé Pascal Obispo. Surprenant, s'attaquer à l'une des chansons les plus célèbres du répertoire rock n'est pas chose facile. Alors pourquoi ne pas y ajouter un petit truc en plus susceptible de faire se retourner les fauteuils? C'est ce qu'a fait Français, 28 ans, avec cri de Radio I. De quoi lui ouvrir les portes de l'aventure The Voice, tout en semant le doute chez Dodeco H. C'est bien, mais un mec qui symbolise les différentes réactions des Dodeco H face à Français. Le jeune homme de 28 ans, venu de Corse, pour tenter sa chance aux auditions à l'aveugle de la 7e saison de The Voice, a repris la musique, il y a 2 ans. Alors pour donner envie à Zazie, Mika, Pascal Obispo et Florent Pagny de se retourner, autant frapper fort. Ça a plutôt bien commencé avec le choix de la chanson « Cri de Radio I », le groupe préféré de Zazie. Un point pour lui. Point l'interprétation ressemble un peu à celle de Thom Yorke au départ, d'après Mika. Puis le refrain arrive, habillé de teintes de polyphonie corse. C'est bizarre, lâche Pascal Obispo avant que Florent Pagny ne se retourne en disant « C'est pour moi ça ». L'interprète de Lucie finit lui aussi par appuyer sur son buzet rouge, avec le pied s'il vous plaît. Tu m'as eu avec ta note corse. J'avais du mal à y aller, ouvrir les parenthèses. Je t'ai trouvé un peu langoureux, peut-être pas assez mystérieux. Mais cette note corse que tu as faite, elle était typiquement de ton île, lui a expliqué-t-il, visiblement séduit. C'était très beau, mais j'ai beaucoup de mal, avec les reprises de ce groupe, ouvrez les parenthèses. Je n'arrivais pas à me mettre dans ta tête, Zazie, perplexe. Il y a un côté rien de péjoratif paysan, qui chante de l'opéra, plus ce côté pop-rock, poursuit Florent Pagny. Pour Mika et Zazie, c'est plus compliqué. C'était très beau, mais j'ai beaucoup de mal, avec les reprises de ce groupe, ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses, je n'arrivais pas à me mettre dans ta tête, détaille TL, se disant super contente qu'ils poursuivent l'aventure. Français choisit ensuite de rejoindre l'équipe de Pascal Obispo. Point en vidéo à Pantésine Zombie, The Cranberry. Fermez les parenthèses 0.0002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 .0